et de vos séquelles. Seigneur, nous te disons merci, 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 merci pour la miséricorde, merci pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, dis ce sujet de prière très fort. Parce que la puissance de Dieu est présente, l'onction de Dieu est présente. Dieu est là. Les anges sont là. Masande Bahate Kibra. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tourmente tout esprit qui me tourmente. Tourmente tout esprit qui me tourmente. Au nom de Jésus. Élève-toi. Demande au Saint-Esprit de tourmenter tout esprit qui me tourmente. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier pour toi. Merci, Catalia, Caparia, Canté de Bossa. Licoparia, Cantala, Bacabra, Canté de Bossa. Toute personne qui écoute le son de ma voix, dont l'esprit a été barricadé par les esprits méchants, l'esprit de Dieu te touche. Et ces esprits méchants qui ont barricadé ton esprit, ils dégagent par le feu au nom de Jésus. L'esprit de Dieu te touche maintenant. Kema sakabra terebosa. Le kapalias kanterebosa. Kapalias kanterebosa. Makapalias kanterebosa. Ça te lâche. Ça libère ton esprit. Ces démons libèrent 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 ton esprit. Ils libèrent ton esprit. Ils libèrent ton esprit. Ils détachent. Ils détachent. Ils détachent. Ils détachent. Ils détachent. Ils détachent. Au nom de Jésus-Christ. Ton esprit est détaché. 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 Toi qui étais étouffé spirituellement. Toi qui étais à l'agonie spirituelle. Ton esprit est relâché. Ton esprit est relâché. Ton esprit est relâché. Ton esprit est relâché. Cette agonie spirituelle. Cette agonie spirituelle prend fin au nom de Jésus. Cette agonie spirituelle prend fin.
Cet étouffement spirituel prend fin au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te touche. Ton esprit est libéré. Ton esprit est détaché. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Dis Seigneur, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Et impacte mon esprit. Impacte mon esprit. Prie, demande à Dieu de te parler, de parler ton esprit. Alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ouvre ton esprit ce soir, parce qu'après, nous allons faire le possible pour ne pas trop rester dans la parole et pour avoir le temps de prier. Amen. Amen. L'une des plus grandes tragédies du corps de Christ aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'absence de la crainte de Dieu, mais c'est le manque de prière. Le manque de prière. Les chrétiens pensent qu'ils prient, mais alors qu'ils ne prient pas encore. Bien-aimé, quand tu lis la Bible, tout ce dont la vie a été impactée, tout ce dont la vie a été changée, tout ce dont la vie a été transformée, ce n'était pas au travers des prédications. Ce n'était pas au travers des enseignements. C'était au travers d'une rencontre avec Dieu dans la prière à genoux. Nous avons tous reçu l'autorité en Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité que Jésus a, il nous l'a donnée. Il a dit, vous avez reçu le pouvoir. Il a dit, le péché ne pourra plus dominer sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sur la grâce. Il a dit, vous avez l'autorité de parler à une montagne, et la montagne va se déplacer. Et vous avez l'autorité de demander à une montagne de se jeter dans la rivière et elle va se jeter. Mais tu dois savoir une chose, l'autorité n'est pas la puissance. L'autorité est différente de la puissance. L'autorité, c'est le droit légal que tu as par rapport à quelque chose. Quand une personne a l'autorité, si quelqu'un a l'autorité d'habiter dans une maison, ça veut dire que légalement, cette personne a le droit d'habiter dans cette maison. Mais il y a des gens qui ne dorment pas dans leur maison. Parce que leur maison est hantée.
Vous voyez que ces gens ont l'autorité, mais ils n'ont pas la puissance. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à dormir dans leur maison. L'autorité que nous avons à Christ, en Christ, ça nous donne le droit légal d'avoir le dessus sur Satan, de faire de Satan et ses agents notre marchepied. Mais parce qu'il n'y a pas la puissance, notre autorité ne nous apporte aucun bénéfice. J'avais pris l'exemple d'un policier. Lorsqu'on voit un policier en tenue, sa tenue symbolise l'autorité. Et lorsqu'un policier en tenue interpelle quelqu'un, la personne va s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il voit que cette personne est une autorité. Il est en tenue de policier. Mais vous voyez aussi qu'il y a des cas où des personnes, où des policiers ont interpellé certaines personnes. Ces personnes ne se sont pas arrêtées. Dans certains cas, ces personnes ont voulu même tuer ces policiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces policiers ont été dans l'obligation d'employer maintenant la force pour faire quoi? Pour que leur autorité soit maintenant appliquée. L'autorité que tu as en Christ, c'est bon. Mais ça ne te donne pas le pouvoir sur l'ennemi. C'est bien de dire qu'en Christ, je suis plus fort. En Christ, c'est bien de confesser toutes ces belles paroles. Les confessions n'ont jamais changé la vie de quelqu'un. Et tu ne peux pas avoir la puissance si tu ne rencontres pas Dieu à genoux dans la prière. Jésus-Christ a dit dans Luc 18, à partir du verset 1, priez sans vous lasser, priez sans vous fatiguer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, Paul a dit, priez sans cesse. Oui. Priez sans cesse. Mais le problème de l'église aujourd'hui, on peut passer toute la journée à suivre des prédications. Et on ne prie même pas pendant une heure. Et on pense qu'il y aura le changement. Bien-aimé, lis ta Bible. À chaque fois que Dieu s'est déployé dans le monde pour accomplir quelque chose, ce n'était pas après une bonne prédication, ce n'était pas après un bon message, ce n'était pas après un bon enseignement, c'était après un moment de prière intense. Regardez ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont passé 3 ans à marcher avec Jésus. Mais ils ne priaient pas. Quand Jésus est parti, quand on a crucifié Jésus, les disciples sont rentrés dans la peur. Les disciples qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades, les disciples qui prêchaient l'évangile avaient audacité. Lorsque Jésus est mort, ils sont tous rentrés dans leur vie du passé. Tous, ils ont abandonné leur. Pourquoi? Le manque de puissance. Ils avaient l'autorité en Christ, mais ils n'avaient pas la puissance. Quand est-ce qu'ils ont eu la puissance? Quand est-ce que leur vie a changé? Leur vie a changé le jour qu'ils sont sortis de la chambre haute. Toi, tu penses que le jour que tu vas sortir d'un séminaire, ta vie va changer. Tu penses que le jour que tu vas sortir après une prédication, ta vie va changer. Non, bien-aimé, ta vie va changer le jour que tu vas sortir d'une chambre haute. C'est dans la chambre haute que nos vies changent. C'est dans la chambre haute qu'on rencontre Dieu, à genoux, dans la prière.
Amen. Dieu dit que ses enfants ne prient pas. Et c'est pour ça que malgré que la parole de Dieu est prêchée en abondance dans tout le monde entier, il y a peu de conversions de nos jours que dans le passé. Et Dieu dit, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous ces moyens de télécommunication. Aujourd'hui, avec tous ces moyens de télécommunication, il y a moins d'âmes qui se convertissent. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps dans les réseaux sociaux, au lieu de passer le temps à genoux dans la présence de Dieu. On passe plus de temps pour écouter les prédications, au lieu de passer des moments dans la présence de Dieu. Un enseignement, une prédication, la parole de Dieu peut t'impacter, mais ça ne peut pas changer ta vie. C'est dans la prière que ta vie va changer. Jacob a passé tout son temps à se battre. Sa vie était misérable jusqu'au jour où il est allé dans la prière à genoux combattre. Et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Jabez, sa vie était misérable jusqu'au jour où il est allé dans la prière. Dieu est venu changer sa destinée. Et les hommes aujourd'hui prient une heure. Ils pensent que la vie va changer. Tu pries 5 minutes, tu penses que ta vie va changer. Pendant que l'ennemi, 24 heures sur 24, est en train de faire des incantations. Toi, tu penses que ta prière de 5 minutes, parce que tu es en Christ, ta prière de 5 minutes va renverser Satan. 24 sur 24 est en train de faire des incantations contre toi. Il n'y a pas de magie dans le christianisme, bien-aimé. Tout est une affaire de principe. La prière, c'est ce qui va transformer la faiblesse d'un être humain en la force de Dieu. La prière, c'est ce qui va te faire voir la gloire de Dieu. La prière, c'est ce qui va donner à Dieu le droit légal de venir sur terre pour agir dans ta vie. En tant que quand les disciples ont demandé à Dieu, à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus les a dit dans Matthieu chapitre 6, Jésus les a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Ça veut dire que quoi? Le règne de Dieu n'est pas ici. Sur terre. C'est Satan qui règne sur la terre, ce n'est pas Dieu. Qu'on ne te mente pas. La Bible dit ça clairement, que Satan est le maître de la terre, pas Dieu. Dieu règne dans les cieux, mais pas sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit, toi tu dois prier, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme on sait. Parce que tant que tu ne pries pas, ça ne va pas s'accomplir. Le règne de Dieu, c'est dans les cieux. Si tu ne pries pas, le règne de Dieu ne va jamais descendre sur ta vie. Ça ne va jamais descendre sur ta maison. Et chaque chrétien doit avoir son autel de prière. C'est dans l'autel de prière que ta vie va changer. Et non dans les réseaux sociaux. C'est dans ton hôtel de prière que ta vie va changer. Et non sur Internet ou sur la télévision, devant la télévision. C'est dans ton hôtel de prière que tu vas avoir les révélations et l'onction de Dieu. Et non à travers des bonnes prédications. Personne n'a jamais reçu l'onction à travers une belle prédication, non. Personne n'a jamais reçu la puissance à travers une bonne prédication.
Tu lis la Bible, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ta vie de prière est morte. Tu fais un petit combat spirituel de une heure de temps par jour. Tu penses que tu as trop fait. Pendant que les ennemis qui te combattent font les incantations 24 heures sur 24 contre toi, comment est-ce que tu vas les renverser? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu lis la parole de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'as pas de révélation. Pourquoi? C'est dans la prière qu'on a la révélation. C'est dans la prière qu'on reçoit le discernement. Quand tu passes ton temps dans la présence de Dieu, à genoux, dans la prière, c'est ça l'autel de la prière. C'est dans l'autel de la prière que ta vie va changer. C'est dans l'autel de la prière que ta vie sera transformée. C'est dans l'autel de la prière que tu vas avoir la puissance. Les 12, les disciples qui ont marché avec Jésus, pendant le temps qu'ils étaient avec Jésus, ils ont écouté les prédications les plus puissantes du monde. Ils ont écouté ces prédications, mais ça n'a pas changé leur vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les 12 disciples, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont écouté les prédications les plus puissantes du monde, prêchées par Jésus. Mais Jésus part. Ils rentrent tous dans leur vie du passé. Ça veut dire que quoi? Leur vie n'avait pas été changée. Mais quand est-ce que leur vie a changé? Quand ils sont sortis de la chambre haute. Amen. Et lorsqu'on part dans la chambre haute, c'est pas pour prier pour 1 heure. C'est pas pour prier pour 2 heures. C'est pas pour prier pour 3 heures. Parce que tout le temps que tu passes dans les réseaux sociaux, que tu passes sur Internet, que tu passes sur ton ordinateur, que tu passes sur la télévision, si tu prenais ce temps pour te mettre à genoux dans ton hôtel de prière, bien-aimé, ton problème que tu as là aurait déjà été résolu. Amen. À plusieurs reprises, je vous ai dit qu'il y a des délivrances dans votre vie qui ne vont que s'opérer lorsque vous serez plus fort que l'ennemi. Il y a des délivrances dans votre vie qui ne vont que s'opérer le jour où vous serez plus fort que l'ennemi. Tant que ton ennemi, tant que ton homme fort sera plus fort que toi spirituellement, il va te dominer, même si Christ est en toi. Même si Christ est en toi, il va te dominer. Les sorciers n'ont pas de prédication. Les satanistes n'ont pas de prédication. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Les incantations, ça c'est leur prière. Mais les chrétiens sont plus dans les discours. Ils sont plus dans le bavardage. Ils sont plus dans les débats. Les débats de théologie. À gauche, à droite. Et pendant ce temps, l'islam est en train de gagner le monde. Pendant ce temps, les sectes magiques sont en train de gagner le monde. Pendant ce temps, les jeunes sont recrutés dans le monde des ténèbres, comme des fourmis, partout. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont devenus des philosophes. Ils sont devenus des professeurs. Alors que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Alors que Paul a dit, un soldat ne peut pas affectionner des affaires de cette terre s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors que Paul a dit qu'un chrétien est un soldat, mais les chrétiens sont devenus des professeurs, des philosophes, des bavards. Et c'est pour ça que Satan a le dessus. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de puissance à l'église. C'est pour ça que tout le monde est possédé. Même les pasteurs sont possédés. Pourquoi? Leur vie de prière est morte. Bien-aimé, peut-être tu penses que tu pries déjà, mais tu ne pries pas encore. Tu ne pries pas encore. Tu n'as pas encore commencé à prier.
Je me rappelle, un jour, j'avais prié de minuit jusqu'à peut-être 5 heures. À partir de 6 heures du matin, le Saint-Esprit me dit qu'il est fatigué de moi parce que je suis tellement paresseux. Et j'ai dit au Saint-Esprit, mais j'ai passé toute la nuit à prier, depuis minuit, jusqu'à 6 heures, j'étais en train de prier. Mais comment tu dis encore que je suis paresseux? Il a dit, tu dois prier 24 heures sur 24, parce que tes ennemis font des incantations 24 heures sur 24. Il a dit, même quand tu utilises les toilettes, tu dois prier. Parce que même les odeurs de tes selles, ça ne va pas mettre Dieu mal à l'aise. Parce que le sorcier, il opère partout. Même lorsqu'il est en train de dormir, son esprit est en train d'opérer. Lorsqu'il est éveillé, son esprit est en train d'opérer. Lorsqu'il est en train de manger, son esprit est en train d'opérer. Lorsqu'il te parle, son esprit est en train d'opérer. Mais vous, les enfants de Dieu, vous laissez moi arriver dans la chambre avant de prier. Et vous posez la question, pourquoi vous ne voyez pas la puissance de Dieu? Pourquoi vos vies ne changent pas? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le livre de Actes chapitre 6, verset 4? Quelqu'un pour lire Actes chapitre 6, verset 4. Si tu as la version 8 secondes, c'est mieux de lire si tu as la version 8 secondes. Actes chapitre 6, verset 4. Commencez au verset 1. Commencez au verset 1. Au verset 1, papa. Commencez au verset 1, voilà, jusqu'au verset 4, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Okay. Nous lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les doutes évoquèrent la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on peut rendre un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Amen. Vous voyez les 12 disciples. À un moment donné, ils ont compris qu'il fallait qu'ils rentrent s'appliquer. Ils ont commencé par la prière, non par la parole. Tu peux être rempli de la parole de Dieu. Mais si tu es rempli de la parole de Dieu et tu n'es pas dans la prière, tu ne vas pas connaître Dieu. Certaines personnes ont dit connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. C'est faux. Beaucoup de gens ont la parole de Dieu, mais n'ont pas la connaissance de qui Dieu est. Les pharisiens, les sadduciens, les grands prêtres, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la parole du Dieu d'Abraham, mais ils ne connaissaient pas qui était le Dieu d'Abraham. C'est pour ça qu'ils n'ont pas su que le Dieu d'Abraham, c'est lui qui avait envoyé Jésus. Paul, avant qu'il ne se convertisse, il avait la parole du Dieu d'Abraham, mais il ne connaissait pas que ce Dieu d'Abraham-là, c'est lui qui avait envoyé Jésus-Christ. C'est dans la prière que tu vas découvrir qui Dieu est. C'est dans la prière que Dieu va te rencontrer. C'est dans la prière que Dieu va changer ta vie. Mais si tu restes dans la parole, tu restes seulement dans la parole. La parole sans la prière, ça va devenir la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue. Et c'est le problème dans le monde entier aujourd'hui. Les chrétiens ne prient plus. Même lorsqu'il y a un programme de prière,
Il y a plus de discours que de prières. Si le programme dure 3 heures de temps, pendant au moins 2 heures de temps, ça sera le bavardage. Et on va prendre 1 heure de temps pour prier. Et on va dire que c'était un programme de prière. Il y a beaucoup de séminaires. Séminaires de délivrance. Séminaires de ceci. Séminaires de ceci. Séminaires de ceci. Donc vous n'allez pas voir des séminaires où on passe seulement pour prier, juste pour prier, pas pour écouter la parole de Dieu, juste pour prier. Et c'est pour ça que tous les enfants de Dieu sont devenus légers. Légers. C'est pour ça que Satan peut jouer avec eux. Parce qu'on les a dit, tout ce qu'il faut faire, confesse, confesse. Confesse le positif, confesse le positif. Confesse, confesse, je suis béni, tu seras béni. Confesse, 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 je suis délivré, tu seras délivré. Depuis que tu confesses que tu es délivré là, pourquoi le démon là te tourmente toujours? Parce que tu n'es pas délivré. Ce n'est pas une affaire de confesser. Ce n'est pas une affaire de confesser. Pour rencontrer Dieu, tu dois avoir ton autel de prière. Où tu te mets à genoux pour prier Dieu. Où tu te mets à genoux pour prier Dieu. Parce que lorsque quelqu'un se met à genoux pour prier Dieu, toute adversité que cette personne va rencontrer dans sa vie sera obligée de s'agenouiller devant lui. Parce que lorsque tu t'agenouilles devant Dieu, tes problèmes vont s'agenouiller devant toi. Tes problèmes ne s'agenouillent pas devant toi. Les démons qui te dérangent ne s'agenouillent pas devant toi. Parce que tu ne t'agenouilles pas encore devant Dieu. Et je ne parle pas de dire que tu dis que tu as passé toute la journée à prier, tu étais là, tu suis un peu une prédication, après tu pries un peu, après tu fais un peu de louange, après tu pries encore un peu, après tu fais un peu, tu suis un peu un enseignement, après tu pries un peu, après tu fais un peu une adoration, après tu pries un peu, tu fais ça pendant toute la journée et tu dis que tu as prié. Ça c'est pas la prière. Quand on dit prière, c'est prière. La louange, c'est la louange. L'adoration, c'est l'adoration. La prière, c'est la prière. Il faut que vous écoutez ça bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pendant les moments, qui passent les moments de prière chez eux. Quand on compte le temps pendant lequel ils ont prié, c'est peut-être 20 minutes. Mais le reste du temps, c'était quoi? Louange, adoration, parole. Quand tu dis que c'est un moment de prière, c'est un moment de prière non-stop. Non-stop. Juste prière. Juste prière. Moment de prière, ce n'est pas le moment d'adorer. Moment de prière, ce n'est pas le moment de suivre les prédications. Moment de prière, ce n'est pas le moment de suivre les enseignements. Moment de prière, ce n'est pas le moment d'ouvrir la Bible. Parce que tu ne comprendras jamais cette Bible-là tant que tu n'auras pas rencontré Dieu à genoux. Parce que l'apôtre Paul, il avait tous les livres avec lui. Tous les livres qui parlaient de Dieu. Mais le seul jour qu'il a rencontré Dieu, c'est quand il s'est agenouillé devant Jésus. Tu vas dire que tu as pris les moments de jeûne et de prière. Tu as peut-être jeûné, mais tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas encore fait de prière non-stop. Pendant des heures. C'est ça la chambre haute. Dans la chambre haute, on n'est pas là pour adorer Dieu. Dans la chambre haute, on n'est pas là pour louer Dieu. Dans la chambre haute, on n'est pas là pour ouvrir la Bible. Dans la chambre haute, on est là pour dire à Dieu, Seigneur, tu me visites. Seigneur, tu te montres à moi. Seigneur, tu vas me parler maintenant. Seigneur, tu vas apparaître maintenant.
Amen. Je me rappelle quand je cherchais le baptême du Saint-Esprit. Je voyais beaucoup de gens, certaines personnes, juste lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Je voyais d'autres personnes, même avant de se baptiser, de faire le baptême par immersion, ils avaient déjà été baptisés par le Saint-Esprit. Je voyais certaines personnes qui ne faisaient pas d'efforts, mais ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai cherché ça jusqu'à me fatiguer, ça ne venait pas. Jusqu'au point où j'ai commencé à m'enfermer dans les champs, dans la chambre, quand j'étais à l'université. Au point où, à un moment donné, je n'allais même plus, j'avais manqué les cours. Parce que j'avais dit à Dieu ce jour-là, soit tu me baptises du Saint-Esprit, soit je ne sors pas de ces champs. Et si je choue, ça va tomber sur ta tête. Parce que je dirais aux gens que j'ai échoué parce que j'étais en train de parler à Dieu. Et Dieu ne voulait pas me baptiser du Saint-Esprit. Je n'adorais pas. Je ne louais pas. Je n'ouvrais pas ma Bible. Prier. La fatigue vient. Je commence à somnoler. Je me lève. Prier. Non-stop. Qu'on ne te mente pas. Tu peux avoir toutes les révélations du monde. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas d'onction. Tu n'auras pas de puissance. Et Satan va jouer avec ta vie. Avant, je pensais que prier une heure de temps, c'est beaucoup fait. Jusqu'au jour, après avoir prié 5 heures de temps non-stop, le Saint-Esprit me dit, je suis pas arrêté, c'est parce que je me suis arrêté. Bien-aimé, les standards de Dieu ne sont pas les standards des hommes. Vous savez combien de temps les disciples ont fait dans la chambre haute? Vous savez combien de temps ils ont fait dans la chambre haute? Non. Tout le temps qu'ils ont fait dans la chambre haute, ils n'étaient qu'en train de prier. Ils avaient fermé la Bible. Ils avaient fermé la parole. Ils étaient en train de prier. Et c'est dans la prière que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, lorsqu'ils sont sortis, rien ne pouvait plus les résister. Les choses te résistent encore. Parce que l'onction de Dieu n'est pas encore descendue. Parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de Hébreux chapitre 12? Hébreux chapitre 12. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 12? Je lis la parole de Dieu. Amen. Fortifiez-vous donc vos mains languissante et vos genoux affaiblis. Alléluia. Merci. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes. Bien-aimés, les chrétiens de l'église primitive, lorsqu'ils priaient, ils étaient à genoux et les mains étaient levées vers le ciel. Pendant des heures, voilà comment ils priaient. Les mains levées et les genoux au sol. Tes genoux ne sont pas encore blessés, bien-aimés, parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Si tu me dis que tu as déjà commencé à prier, je vais te dire, montre-moi tes genoux. Si je ne vois pas de cicatrices sur tes genoux, tu n'as pas encore commencé à prier. Tu n'as pas encore commencé à prier. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de cicatrices sur tes genoux. Parce que pour qu'il y ait les cicatrices sur tes genoux, ce n'est pas une affaire d'une heure de prière. Ce n'est pas une affaire de 5 heures de prière. Non, c'est plus que ça.
Avant, on priait avec les mains soulevées vers le ciel. Les genoux au sol. Sans s'arrêter. Les chrétiens veulent le réveil. Ils veulent le réveil. Ils passent le temps à donner des bons discours. Bien-aimés, le bon discours, les bonnes prédications, les bons messages, ça peut chatouiller les émotions des enfants de Dieu. Mais c'est la prière qui rend un bébé spirituel mature. C'est la prière qui va changer un mâle à un homme. Tout mâle n'est pas un homme. C'est la prière qui va changer une femelle à une femme. Parce qu'il y a beaucoup de filles d'ailleurs mariées. Il y a beaucoup de filles qui sont déjà presque à l'âge de 80 ans. Parce que pour être une femme, pour être une femme, il faut avoir rencontré Dieu à genoux dans l'autel de prière. Pour être un homme, il faut avoir rencontré Dieu à genoux dans l'autel de prière. Tu n'as pas encore fait ça, tu es un garçon. Quel que soit ton âge, même si tu as les arrières, petit-fils, aux yeux de Dieu, tu es encore un garçon, tu n'es pas encore un homme. Un homme aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu à genoux dans son autel de prière. Une femme, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu à genoux dans son autel de prière. On peut dire que Anne était une femme. Parce que Anne a rencontré Dieu à genoux dans son hôtel de prière. On peut dire que Esther est une femme. Esther a rencontré Dieu à genoux dans le jeûne et dans la prière. Toi, où est-ce que tu rencontres Dieu? Dans les bonnes prédications. Sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ces démons continuent à te déranger. C'est pour ça que tu dis au nom de Jésus, sors, ça ne veut pas sortir. Parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Je me rappelle quand je commençais le ministère, je voulais prier sur une dame. Et Dieu m'a dit, cette dame-là, ce qui est en train de la détruire, ça jeûne pendant 40 jours dans le monde des ténèbres. Et toi, tu veux aller comme ça, là, parce que tu as le nom de Jésus. C'est ce que Dieu m'a dit. Je pensais que parce que je suis serviteur de Dieu, je vais aller dire, soit délivré. Dieu m'a dit, ce que tu peux attaquer là-bas, là, ça prend le jeûne de 40 jours dans le monde des ténèbres. Allez voir tous les anciens satanistes. Ils vont vous dire, ils prenaient le jeûne à sec. Même pendant 10 jours, sans manger, sans boire, pour faire les incantations. Mais nous, les enfants de Dieu, on pense qu'on va faire des prières de combat pendant 3 minutes. Ou pendant 30 minutes. Et on va dire, Seigneur, merci de m'avoir délivré. Bien-aimé, il est temps pour tes genoux de saigner. Parce que depuis un bon bout de temps, ou depuis des années, tu suis la parole de Dieu. Mais toi-même, tu peux voir que dans ta vie, elle est toujours misérable. Donc ce que le monde manque aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Le monde manque les genoux au sol et les mains levées. La Bible dit, lorsque Moïse était sur la montagne, avec Aaron et Hur de chaque côté. La Bible dit, le peuple d'Israël était en dessous de la montagne, en train de combattre contre l'ennemi, avec Josué à leur tête. Et la Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient soulevées, le peuple de Dieu qui était sur le terrain avait le dessus sur l'ennemi. Lorsque les mains de Moïse se fatiguaient,
ça se baissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu qui était sur le chemin, sur le champ de bataille, était en train de perdre la guerre. Tu penses que tu vas avoir une bonne performance au travail parce que tu as bien étudié ou parce que tu t'entraînes beaucoup. Tu penses que tu auras la promotion parce que tu te distingues dans ton lieu de service. Tu penses que tu vas te marier parce que tu as un bon caractère, parce que tu es bien soumis ou bien soumis, ou bien parce que tu as un grand cœur. Non, bien-aimé. Quand les mains d'Aaron, quand les mains de Moïse se fatiguaient et ses mains se baissaient, la prière était en train de baisser et le peuple sur le terrain était en train de perdre. Allez voir les nuits de prière dans les églises. Allez voir les nuits de prière dans les églises. Si la nuit de prière, c'est une heure de temps. Mmh. On exhorte, on bavarde, on fait la louange, on fait l'adoration. Et ce n'est que pendant peut-être 20 minutes qu'on prie. Et tu vas rentrer, tu vas dire, ah, oh, j'étais à la nuit de prière ce soir. C'était merveilleux. On a été vraiment touchés. On a été transformés. Mais le lendemain matin, ta montagne est toujours devant toi. Ta barrière est toujours devant toi. Le mari de nuit vient toujours te visiter la nuit. La femme de nuit vient toujours t'abuser la nuit. Mais tu as bien fait une nuit de prière. Tu n'étais pas à la nuit de prière. Tu étais à une nuit d'exhortation, de louange, d'adoration. Quand la Bible parle de prière, c'est prière. Quand la Bible parle de louange, c'est louange. Ne mélangez pas ça. Ne mélangez pas ça. Les gens ne prient plus aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Les gens ne prient plus. C'est parce que tu ne pries pas qu'un faux serviteur de Dieu peut venir te tromper. Oh. Je me rappelle du témoignage de cette jeune femme. Parce qu'elle était enflammée dans la prière. Elle priait, elle demandait le mariage. Un jeune homme vient, il cogne sa porte. Et quand elle voit le jeune homme a tous les caractéristiques qu'elle demandait à Dieu. Et après le jeune homme dit, tout le temps je te vois cassier, je voulais t'accoster, bon maintenant j'ai décidé de venir t'accoster, vraiment je suis intéressé à toi, je vais t'épouser. Elle était déjà un peu contente. Mais parce que c'était une jeune fille qui était dans la prière. Quand elle voulait un peu trop se réjouir dans le cœur, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu un démon devant elle, avec la forme humaine. Combien de personnes ont fait les mauvais choix parce que leur vie de prière était morte. Ils se sont bornés dans les enseignements, bornés dans les prédications. Bien aimé, ces choses-là ne vont pas changer ta vie. La prière, c'est la seule chose qui va changer ta vie. Quand tu as un certain degré de prière, bien aimé, il y a le démon qui ne peut pas résister dans ton corps. Un démon ne peut plus te posséder. Il y a des gens qui disent, je jeûne pendant des semaines, je jeûne pendant des mois, je prie comme un malade, mais moi je ris. Parce que si cette personne priait réellement, le problème ne devait pas durer. Quelqu'un ne peut pas prier réellement et sa situation dure plus de 6 mois. Non.
Non. J'ai dit, quelqu'un ne peut pas prier réellement. Prier à genoux. Et son problème dure jusqu'à 6 mois. La prière, c'est ce qui te manque. Ne pense pas que parce que lorsque tu participes au service, on prie un peu, c'est suffisant. Non. On est là pour vous enseigner. On est là pour vous apprendre à prier. Maintenant, c'est à vous d'aller maintenant à la maison. C'est la vraie prière là-bas. C'est vous d'aller dans votre hôtel de prière. Menacer l'ennemi. Menacer le dévoreur. C'est à vous d'aller le faire dans votre chambre. C'est à vous. Pendant que les disciples dormaient la nuit, Jésus-Christ ne dormait pas. Et le matin, lorsqu'il rendait ministère, rien ne pouvait le résister. Et il impactait les disciples qui étaient à côté. Jusqu'au point où certaines personnes sont venues dire, mais les disciples de Jésus là, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Oui. C'est écrit dans la Bible. Oui. Certains enfants de Dieu sont venus dire que mais, les disciples de Jésus là, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. On les voit faire des miracles, on les voit faire comme ça. Jésus-Christ a dit quoi? Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qui sait ce que Jésus-Christ a dit? Vas-y. Ils peuvent s'appuyer quand l'époux est là, quand l'époux partira, ils prieront. Amen. Vous avez compris maintenant? Maintenant, quand Jésus est parti, ils sont allés dans la chambre haute. C'est là-bas qu'ils ont commencé à apprendre à prier. Amen. L'époux est déjà parti, bien-aimé. L'époux est déjà parti. L'époux est déjà parti. Amen. C'est pour ça que même si ton père spirituel a l'onction, parce que tu es sous sa couverture spirituelle, son onction peut commencer à travailler dans ta vie. Mais si toi, tu restes paresseux, tu n'as pas ta relation personnelle avec Dieu, tu n'as pas ton hôtel de prière, lorsque ton père spirituel ne sera plus, ce qui est arrivé aux disciples va t'arriver. Lorsque Jésus est mort, Pierre est rentré à la pêche. Quand Jésus-Christ vient trouver Pierre, Pierre est sans caleçon, en train de pêcher. Ça veut dire que quoi? Non seulement il est rentré à la pêche, mais ses habits spirituels avaient déjà été enlevés. La Bible précise bien qu'il était nu. Ça veut dire que quoi? Tous ses vêtements spirituels avaient été enlevés. Pourquoi? Parce qu'il opérait sous l'onction de Jésus. Et il pensait que c'est suffisant. C'est ça que tu peux participer au service. Chez le pasteur, à l'onction, quand le pasteur commence à prier, les choses vont se passer dans ta vie. Mais quand tu rentres à la maison, si tu ne pries pas aussi comme le pasteur prie, tu ne vas pas maintenir ce que tu as reçu au travers de la prière du pasteur. Tu ne vas pas maintenir ce que tu as reçu. Parce que pour maintenir ça, il faut prier. Sans la prière, bien-aimé, tu seras une victime de Satan. Même si tu vis dans la sanctification et la sainteté. La sanctification et la sainteté, c'est notre cheval de bataille.
Mais, lorsqu'un cavalier est sur le cheval de bataille, est-ce que c'est le cheval qui combat? Qui combat? Le cavalier. Mmh. La sanctification, c'est comme ton cheval de bataille. Tu montes sur le cheval, un cavalier, il a plus d'avantages lorsqu'il peut combattre que quelqu'un, qu'un soldat qui est à pied, n'est-ce pas? Donc, la sanctification et la sainteté, ça te donne cet avantage. Mais en dehors que tu as la sanctification et la sainteté, maintenant, il faut que tu sois enflammé dans la prière. Que tu sois enragé dans la prière. Il faut que tu deviennes une machine de prière. Quand tu deviens une machine de prière, bien-aimé, tu vas discerner sans vouloir. Tu vas voir quelqu'un bien, bien habillé, mais directement, tu vas savoir que c'est un vampire. Tu vas voir une femme très belle, directement, tu vas savoir que oh, ces pieds-là, ce ne sont pas les talons que je vois, c'est la queue du poisson. Pourquoi? C'est dans la prière que la capacité-là va venir. Amen. C'est dans la prière que la capacité-là va venir. C'est dans la prière que la capacité-là va venir. J'ai vu des êtres humains normaux, un homme normal en train de marcher avec une femme et Dieu me dit, l'homme là, ce n'est pas un être humain, c'est un démon, mais qui a la forme humaine. Et la femme qui avait lui là, c'est une agent satanique. Le monsieur était comme toi et moi, bien habillé, bien portant, mais ce n'est pas un être humain. Si tu le blessais même, tu devais voir le sang couler. Mais ce n'est pas un être humain. Tu penses que tu vas faire les prières de 5 minutes. Et tu vas discerner les choses comme ça. Kebrasse, kebrosa, katabra, senterebosse. Tu as besoin d'un hôtel de prière. Ta vie va changer dans ton hôtel de prière. Ta vie va changer quand tu vas faire de ta chambre haute. Quand tu vas prendre le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, le temps que tu passes sur Facebook, sur Twitter, le temps que tu passes sur Instagram, le temps que tu passes sur tous ces réseaux sociaux, quand tu vas prendre le temps là pour mettre tes genoux au sol, que Seigneur, je suis fatigué, apparaît. Je veux te voir. Je veux t'écouter. Je suis fatigué de voir les visions. Je suis fatigué de voir. Je veux écouter ta voix audible. Apparaît. 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 Parle-moi audiblement, audiblement. Je ne veux pas les affaires, je ne veux pas les affaires que je sens dans mon cœur, je sens dans mon cœur, je sens dans mon cœur. Satan peut te faire sentir dans ton cœur. Tu penses que c'est Dieu. Et même Satan peut te parler audiblement comme si c'est Dieu. Mais lorsque quelqu'un a un hôtel de prière, la personne passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, même si quelqu'un utilise le ton de Dieu, tu sauras que cette personne parle comme Dieu, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est derrière cette voix-là. Tu vas savoir que non, cette personne, il a le ton de Dieu. Quand Dieu me parle, ça avait le même ton, ça avait la même voix, mais l'Esprit que je sens derrière la voix qui est en train de me parler là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé au prophète Élie. Le prophète Élie était dans la grotte. Il suit un vent violent venu. Il dit que ah, peut-être c'est Dieu. Après, il regarde. Après, il dit que non, Dieu n'est pas dedans. Il voit le feu venir, il regarde.
Après, il dit que non, Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Il savait, il reconnaissait la manière que Dieu souvent vient le parler. Mais parce que c'est une machine de prière. Regardez lorsque le prophète Élie a prié pour que le ciel s'ouvre, parce qu'il avait fermé le ciel pendant 3 ans, il n'y a plus eu de pluie. Lorsqu'il a prié pour que le ciel s'ouvre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était à genoux. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Il était en train de prier que le ciel s'ouvre. Point final. C'est quand le ciel s'est ouvert qu'il s'est levé. Pendant qu'il est en train de prier, il appelle son serviteur. Il lui demande, est-ce que le ciel est déjà ouvert? Le serviteur dit que non, rien ne se passe dans le ciel. Il dit qu'ok, pas de problème. Il continue à prier. Il continue à prier. Il est en train de prier comment? À genoux. C'est un vieillard, mais il prie à genoux. Tu as dit, oh pasteur, à mon âge. Rebo Chakadra. Ce n'est pas pour rien que dans Hébreu, Dieu savait que le moment arrivera où tes genoux seront écorchés. Le moment arrivera où tes genoux vont s'affaiblir. C'est pour ça qu'il t'a donné ce passage dans Hébreu 12:12. Que fortifie-toi. Quand tes mains languissant, quand tes mains vont commencer à se fatiguer, quand tes genoux vont commencer à s'affaiblir, fortifie-toi, parce que je suis là. Parce que je suis là. Apprends à prier même un sujet de prière pendant 2 heures de temps. Lorsqu'on fait les services, je peux donner plusieurs sujets de prière. Parce qu'on est en train d'en dresser plusieurs choses et on est en train d'apprendre aux gens à prier. Mais lorsque je prie personnellement, un seul sujet de prière, je peux le prier pendant 5 heures de temps. Un seul sujet de prière. Je dis un seul. Un seul sujet de prière. Je peux prendre 5 heures de temps pour prier pour ça. De minuit à 5 heures du matin, je peux être en train de prier sur un seul sujet de prière. Un seul. Un seul. Toi, tu vas prier sans sujet de prière en 10 minutes. Tu vas dire Amen. Ouh, Seigneur, le combat spirituel était fort. La sueur sur ton habit, tu dis que waouh, ça, ouh, je fais sans prière, sans sujet de prière en 5 minutes. Waouh, ça, c'est un record. Tes démons sont en train de rire qu'ils pensent qu'il nous a fait quelque chose. Ça, c'était le feu de paille. Le feu de paille. Kaba seketolia kabras kartelebosa. Bien-aimé, tu vas activer ta vie de prière ici. Nous allons activer vos vies de prière. Kaba seketolia. Nous allons commencer à prier comme dans l'église primitive. Parce qu'au début, le sommeil peut te déranger. Mais quand tu as fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, tu vas voir le sommeil là va partir. C'est ça le problème majeur. C'est pour ça qu'il n'y a plus de réveil. Regardez l'Amérique. Tous les plus grands prédicateurs sont ici. Mais regardez le christianisme, comment c'est mort. Pourquoi? Parce que la prédication, ça ne va pas changer les gens. C'est la prière qui a toujours changé les gens. C'est la prière qui a toujours apporté le réveil quelque part. Tu veux le réveil dans ta famille? Tu veux le réveil dans la vie de tes enfants, tu veux le réveil dans la vie de ton mari. Des gens qui disent que oh, j'ai prié pour mon mari, il ne change pas, j'ai prié pour ma femme, il ne change pas. Moi, je dis, parce que je sais que tu n'as pas encore prié.
Je sais que tu n'as pas encore prié. Je sais que tu n'as pas encore prié. Parce que lorsque quelqu'un se met dans son hôtel de prière, sa situation ne peut pas durer 6 mois. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas durer 6 mois. C'est que tu as fait les gens de prière, que tu passes toute la nuit, tu loues, tu adores, tu suis les prédications et tu dis que tu as prié. Non, non, ça c'est pas la prière. Quand tu vas commencer à prier non-stop, pas plusieurs sujets de prière. Tu prends sujet par sujet, sujet par sujet, tu pries des heures non-stop. Tu vas voir le volcan qui va sortir de ta bouche. Tu vas voir le cœur de ton mari ou de ta femme là. Comment Dieu va casser ça avec le marteau. Tu n'as pas encore commencé à prier, bien-aimé. Tu veux voir Dieu? Commence à prier. Commence à prier. Réellement, commence à prier. Quand tu commences à prier, là, tu fermes la Bible. Tu dis adoration de côté, louange de côté, exhortation de côté, enseignement de côté, prédication de côté. Moi et Dieu là maintenant. Et tu vas voir. Moi et les puissants qui me dérangent là. Et tu vas voir. Tu vas voir. Ma sécurité a scanté les beaux ça. Prochainement, nous allons voir comment activer sa vie de prière ou son hôtel de prière. Comment tu dois activer ça. Et tu vas aussi voir les bénéfices de l'hôtel de prière dans la vie de quelqu'un. Et tu vas aussi voir certains principes que tu devras appliquer. Et tu vas voir ce que ton hôtel de prière va faire. Tu vas voir ce que ça va faire dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille. La Bible dit que tout ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui va se mettre à la brèche, c'est tout. Ce n'est pas un prédicateur qui cherche. Vous avez tous lu Ézéchiel, non? Ézéchiel dit que quoi? Dieu dit que quoi? Il cherche qui? Quelqu'un qui va se mettre à genoux et non quelqu'un qui va prêcher. Dieu peut utiliser n'importe qui pour prêcher. Dieu peut utiliser n'importe qui pour prêcher. Je connais des gens que c'est les marabouts qui les ont amenés à l'église. Ils sont allés chez le marabout. Le marabout a dit pour ton type de problème là, il faut aller à l'église parce que nous, on ne peut pas résoudre ça ici. C'est Dieu qui a utilisé le marabout pour amener ces gens à l'église. Il y a plusieurs personnes comme ça. Dieu peut utiliser même un sataniste pour amener quelqu'un à Christ. Le fait d'utiliser un animal, l'âne, pour sauver la vie du prophète Balaam, qui était rétrograde. Dieu peut utiliser n'importe quoi, même un animal. Mais pour prier là, ça, c'est quelque chose d'autre. C'est ça que Dieu cherche. Il cherche les gens qui vont se mettre à la brèche. Il cherche les gens qui vont écorcher leurs genoux au sol. Si tu veux savoir si tu pries vraiment, si tu as déjà commencé à prier, regarde tes genoux. Regarde tes genoux. Tes genoux vont te dire. Parce que tu dois savoir. Chaque chrétien a les marques du christianisme dans sa vie. Chaque chrétien a les marques ou les cicatrices du christianisme dans sa vie. Et sur tes genoux, on doit voir les marques de la prière, les cicatrices de la prière. Nous allons continuer prochainement. Et tu vas faire ce sujet de prière.
Tu as fait ce sujet de prière. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent prier, mais ils sentent une oppression. Certaines personnes qui veulent prier, ils sentent une lourdeur. Certaines personnes qui veulent prier, ils sentent un désintéressement pas possible. Certaines personnes qui veulent prier, ils sentent un sommeil violent. Mais s'ils décident de ne pas prier, ils partent peut-être sur Internet, le sommeil va partir. Mais s'ils quittent sur Internet, ils viennent, ils essaient encore de prier, le sommeil revient. Lorsqu'ils quittent de la prière, le sommeil part. Ça, ce n'est pas naturel. C'est une attaque. C'est une attaque. Cette lourdeur, cette pression, ce sommeil qui t'empêche de prier, c'est une attaque. C'est ça que tu vas élever ta voix avec la rage pour prier contre ces puissances. Parce que ces puissances savent que tant qu'ils vont te maintenir dans une vie de prière morte, ils auront toujours le droit légal d'influencer ta vie. On peut délivrer quelqu'un d'un démon. Les démons peuvent aussi influencer la vie de quelqu'un sans posséder la personne. Un démon hors de ton corps peut influencer ta vie. Il y a les démons qui influencent la vie des gens étant hors du corps de la personne. Ils peuvent influencer. Mais lorsque tu deviens plus fort que eux, le feu qui est en toi, le feu de la prière qui sera dans ton esprit, ça va les calciner, ça va les embraser, ça va les briser. Amen. C'est pour ça que tu vas prier ce sujet de prière violemment. Masakapalia skanteribosa. Mazikotoria. Dis toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Qui oppresse ma vie de prière. Qui oppresse ma vie de prière. Dis toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Bien-aimé, prie comme je suis en train de prier. Tu pries trop avec ta manière de prier avec douceur. Là, je crois que les démons rient. Les démons rient. Les démons s'amusent quand toi tu pries à la maison. Ils s'amusent. Ils disent que mais ça, celle-là c'est une blagueuse. Celui-là c'est un blagueur. Il les prie et tout démon. Dis tout puissance qui oppresse ma vie de prière. Tout puissance qui oppresse ma vie de prière. Où que tu te trouves. Où que tu te trouves. Où que tu te trouves. Je te commande de mourir au nom de Jésus. Je te commande de mourir au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à tous ces puissances, toutes les puissances des ténèbres, de la sorcellerie, des sectes magiques, qui oppressent ta vie de prière. Commande à ces puissances de mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le jugement de Dieu commence à frapper ces puissances. Les puissances de sommeil diabolique. Les puissances de pression diabolique, les puissances de désintéressement diabolique, les puissances de lourdeur spirituelle, que le feu du Saint-Esprit commence à les juger, 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 au nom de Jésus-Christ, Rico Maria Cantilobosa, Magica Paria Cantilobosa, les Capalama Colobosia, les Capalia Catolobosa,
Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier que toute puissance, tout ce qui a lié ta langue spirituellement, que ça prenne feu au nom de Jésus. Parce que certains d'entre vous, on a attaché spirituellement votre langue. On a attaché ta langue spirituellement pour que tu ne pries pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier. Tu as besoin de ta langue pour prier. On a attaché ta langue spirituellement. C'est ça que tu vas prier. Que tout ce qui a attaché ta langue. Tout ce qui a attaché ma langue. Sois consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Commande maintenant tout ce qui a attaché ta langue spirituelle. Que le feu de Dieu consume cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne peux pas te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas déjà équipé avec cette chose. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas déjà au préalable donné le potentiel de faire cette chose. Si Dieu te demande aujourd'hui, ce soir, de devenir une machine de prière, c'est parce qu'en toi, il y a déjà le potentiel de cette machine de prière. C'est pour ça que tu vas prier maintenant cette prière. Tu vas prier que ton potentiel de prière que Satan a tué, que ça revienne à la vie au nom de Jésus. La Bible nous parle de la puissance de la résurrection. Par cette puissance de la résurrection, tu vas ressusciter ton potentiel de prière. Dis pas la puissance de la résurrection. De Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à mon potentiel de prière de ressusciter au nom de Jésus.
Commence à prier maintenant. Commence à prier. Ton potentiel de prière. Sakamaso kapalia kenderebusa. Likopalia kitolobo sakapalia kenderebusa. Likapalia kenderebusa kapalia kenderebusa. Likopalia kenderebusa kapalia kenderebusa. Basi kapalia kenderebusa kapalia ka. Likopalia kenderebusa kapalia ka. Likapalia kenderebusa kapalia. Likapaliasko. Likapaliasko. Likapaliasko, repapapapapapa, Si tu veux que Dieu fasse descendre sur toi le manteau de la prière. Mets la main sur ta tête, je vais prier. Yibo Sakaterebo. Si tu veux devenir une machine de prière, tu veux devenir une machine de prière, comme Dieu vient de te parler. Mets ta main sur ta tête, je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie en ce moment que le manteau de la prière efficace, la prière qui perce les mystères, la prière qui perce les choses cachées, la prière qui expose l'ennemi, la prière qui change la vie, qui transforme la vie, qui change le cœur, la prière qui régénère, la prière qui renouvelle la vie, la prière qui change les destinées. Je prie, Seigneur, que ce manteau descende sur toute personne qui a mis la main sur sa tête. Reçois le manteau de la prière au nom de Jésus-Christ. Reçois le manteau de la prière au nom de Jésus-Christ. Reçois le manteau de la prière. Reçois le manteau de la prière. Reçois le manteau de la prière. Reçois le manteau de la prière au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu seras une machine de prière. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier comme tu respires. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier en tout temps, en tout lieu. À partir d'aujourd'hui, la prière sera un fardeau dans ton cœur, un fardeau dans ton âme, un fardeau dans ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu seras toujours à la brèche pour le Seigneur. Ce manteau de prière va te transformer en un volcan de prière. Un volcan de prière. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, les langues de feu étaient au-dessus des têtes de tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Je prie maintenant
que cette langue de feu, cette langue de feu qui transforme les enfants de Dieu en machines de prière, que cette langue de feu descende sur ta tête maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, merci, merci parce que tu l'es rempli, merci parce que tu l'es rempli, merci parce que tu l'es rempli, merci parce que le manteau, ce manteau est en train d'entrer en eux, ce manteau est en train d'entrer en eux, ce manteau est en train d'entrer en eux, ce manteau est en train d'activer, d'activer le potentiel que tu as mis en eux. Merci Seigneur, merci Jésus. La force qu'ils n'avaient pas avant pour prier, ils reçoivent cette force, cette énergie maintenant au nom de Jésus. La force qu'ils n'avaient pas pour dominer sur toute puissance de désintéressement de la prière, ils reçoivent maintenant la domination au-dessus de cette puissance de désintéressement de la prière au nom de Jésus. Tu reçois la domination au-dessus de ce sommet diabolique, ce sommet satanique qui t'attaque toujours lorsque tu veux prier. Reçois la domination sur cet esprit de sommet diabolique au nom de Jésus-Christ. Reçois la domination sur cet esprit de pression, cette pression que tu ressens toujours sur ton corps, sur ton âme, dans tes pensées. Ces maux de tête, ces migraines qui commencent à te déranger lorsque tu veux t'engager dans la prière, tu reçois la domination sur ces migraines et ça sort de ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la domination, tu reçois la domination sur toute fatigue, cette fatigue diabolique qui t'atteint lorsque tu veux prier, lorsque tu veux être dans la présence de Dieu, cette fatigue diabolique vient sur ton corps, ça vient sur ton âme, ça vient sur ton esprit, ça te rend lourd, ça te rend lourd. Je commande à cet esprit de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la domination sur cette puissance, reçois la domination sur cette puissance, reçois la domination sur cette puissance. Ça te libère ce soir au nom de Jésus et tu domines sur ce pouvoir, tu domines sur cette puissance, tu domines sur cette adversité, tu domines sur cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo shakabari askanterebo sakabra kanterebosa mazike terebosa. Que ta bouche, que Dieu commence à oindre ta bouche, que Dieu commence à oindre ta bouche, afin que lorsque cette bouche va s'ouvrir, que tout ce qui va sortir de cette bouche, que ça soit un danger, que ce soit une arme de destruction massive pour le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche soit une arme de destruction massive contre les forces des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu ouvre ta bouche à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas utiliser cette bouche pour prier, lorsque tu vas utiliser cette bouche pour intercéder, tu vas voir les choses se passer, tu vas voir les choses se réaliser, tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu, tu vas voir la manifestation de l'onction de Dieu, tu vas voir la manifestation du pouvoir que tu as reçu par l'autorité que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Alpha et Omega. Merci Roi des Rois. Béni sois-tu pour toutes choses. Les Mahapalia Sukatalia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Les Brahamaka Feteribosa. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Mazike Bahasukane Mahatunia Brahiko Soteria. Masakapalia Skanderibosa. Et Tabasa Feribosa Kapata Kalabasa. Oh, Lia Kapata. La prière, la prière. Oh, zike polia kante de bossa. Masike bossa kante de bossa. Rapakatoba. Rekapakatoba. Rekapakatoba. Lebeheto. Rekapasa hetoba. Lekefetolia. Likobahata. Likatole bohusa. Ekabalia kante de bossa. Hakabra kante de bossa. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait ce soir.
Je scelle tout cela avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande, Seigneur, cette semaine pour la vie de tes enfants. Je décrète et je déclare cette semaine porte ouverte à tout égard au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la bénédiction coule dans leur vie, qu'ils possèdent leur héritage en Christ. Au nom de Jésus, que tout obstacle sur leur chemin soit maintenant mis hors d'état de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse les barrières qui les empêchaient d'avancer. J'aplanis les montagnes qui bloquaient leur chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je décrète et je déclare, même s'ils traversent les eaux, ces eaux ne vont pas les engloutir en cette semaine au nom de Jésus. Même s'ils marchent dans le feu ne va pas les brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils se trouvaient dans les déserts, tu vas créer un chemin pour qu'ils puissent s'y en sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta faveur divine dans leur vie au nom de Jésus, que toute personne qui est malade, je décrète et je déclare que ta maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est malade reçoit la guérison au nom de Jésus, reçoit la santé au nom de Jésus, sois restauré dans ta santé totalement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je décrète et je déclare que tous ceux qui cherchent, Seigneur, l'intégration dans les pays où ils se trouvent, Père, qu'ils reçoivent, Seigneur, la légalisation, qu'ils reçoivent les papiers au nom de Jésus, que tous ceux qui veulent faire les regroupements familiaux, qu'ils puissent le faire au nom de Jésus, que ceux qui cherchent les emplois, Seigneur, que les emplois le localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui veulent les percer, Seigneur, ô Jésus-Christ, que ce soit une semaine de percée pour eux, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, que les cœurs qui sont attristés, les cœurs qui sont abattus, qu'ils soient submergés par la joie du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit, que ceux qui étaient désespérés, Seigneur, qu'au travers de l'autel de prière, qu'ils vont bâtir dans leur vie à partir d'aujourd'hui, que l'espoir, la flamme de l'espoir soit ravivée dans leur vie, que leur vie change, que ceux qui sont célibataires se marient au nom de Jésus. Dans le divorce, je prie, Seigneur, que ces programmes de divorce soient annulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne divorceras pas. Aucune personne qui écoute ma voix en ce moment ne divorcera. Même si tu veux divorcer, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit s'impose contre ta volonté de divorcer et que ton mariage soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Quel que soit le besoin de tes enfants, tu regardes leur cœur, tu connais leur vie, tu connais de quoi ils ont besoin. Seigneur, je prie, toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui a pourvu pour Abraham, pourvoir pour la descendance d'Abraham, pourvoir pour leur vie, pourvoir pour leur vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, roi des rois, merci, Seigneur, merci pour les témoignages, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire. Que tes anges les accompagnent, que ta protection divine soit sur leur vie, que tu les gardes de toute embûche de l'ennemi, de tout incident, de tout accident, de toute tuerie, de toute mort précoce, de tout complot diabolique. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, allez dans la paix de Christ. Le Seigneur vous a béni. Shalom à tout le monde. Rendez-vous le week-end prochain.